Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, parce qu'en plus ça je suis chez moi avec mon petit Waf Waf, mon petit labrador là qui a bientôt 3 mois. Coucou monsieur, vous allez bien? Ça va? Non? Est-ce que tu as mangé le téléphone? Et puis aujourd'hui en fait c'était juste une petite vidéo pour parler comme ça. Comment allez-vous? Moi honnêtement je suis un peu malade en plus, ça c'est un peu casse-couille. Puis je voulais vous montrer un peu mon... Bon je pense que vous connaissez un peu mon chez moi, c'était juste pour vous montrer au niveau de mon matériel si ça a un peu, ça s'est un peu amélioré. Hein, je suis pas fan de ce genre de choses. Je suis un putain de gros flemmard, c'est-à-dire que bah moi vous montrer du matériel, tout ça, bah je prends du temps en fait à me les procurer, c'est un truc de fou. Il y en a qui m'ont posé, et c'est vrai qu'il y en a qui me posent la question, ouais Christo, avec quoi tu filmes? Bon là j'enregistre un peu, on va dire, un peu à la va-vite, c'est-à-dire que je sais même. Oh franchement, je sais même pas si j'ai des bêtises ou des trucs comme ça. Je sais même pas si. Bon bref, vous allez voir, hein, je sais pas du tout ce que. Ce bordel. Alors déjà l'agenda, ça c'est pour l'école, c'est très important. Si tu veux travailler pour l'école, eh ben tout faut ça. Regardez. Alors lundi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un DS hexadécimal. Regardez comment j'écris bien. Non, j'ai pas dit sexique. Non, ne vous inquiétez pas. Apporter livre histoire géo séquence 1 DS maths. Ok, d'accord, super. Avec paranormal à côté, la manette. Hein, comme quoi, je suis vraiment en état de travail. Alors WhatsApp, qu'est-ce qui se passe dans ma chambre? Putain, j'ai l'impression c'est vachement zoomé mon iPhone. Donc alors, qu'est-ce que j'ai comme matériel? Donc j'ai tout simplement déjà ma petite PlayStation 3 qui est une PlayStation 3 Slim. Qu'est-ce que j'ai? Ah, oh, qu'est-ce que j'ai dedans plutôt? J'ai GTA 5 qui est dedans. J'ai un 2.1 aussi. Alors ça c'est vraiment les trucs basiques. Hein. Alors, je me suis pas cassé la tête, j'avais vu ça. C'est-à-dire deux enceintes avec le petit caisson là à 50 balles. 50 euros le truc. Bon c'est pas. C'était vraiment le truc basique. Mais j'ai un truc avec un meilleur son que je vais vous montrer après. Donc ça c'est vraiment le truc on va dire que pour me dépanner. Puis peut-être plus tard en fait. Bah peut-être que j'aurai quelque chose de meilleure qualité. J'ai avec ce que je. En fait j'enregistre, ça s'appelle un Game Capture HD. Qui remplace l'HDPVR, tout ça. C'est pas mal en fait parce que si vous voulez, alors il est là, on voit pas très bien. Parce que tout simplement, on prend juste en fait une clé USB ou un disque dur. Le mieux c'est un disque dur, parce qu'il y a plus d'espace. Et puis vous allumez tout ça et puis c'est bon. Par contre, le souci avec le Game Capture HD, il filme en 1080i au lieu de 1080p. Pour les personnes qui ne connaissent pas la différence, 1080i, si vous voulez, sur un écran, en plus je travaille là-dessus, c'est-à-dire sur un écran, il y a plein de petites lignes. Et donc quand on dit en 1080i, c'est-à-dire en fait, il va faire une ligne sur deux. En 1080p, en fait, c'est une meilleure qualité, une meilleure résolution, tout ça, parce que chaque ligne seront écrites. Et c'est pour ça qu'en 1080i, eh ben, en fait, la qualité est légèrement moins bonne. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il est moins cher, parce qu'il travaille sur une légère qualité, en fait, qui est légèrement moins bonne. D'ailleurs, il est environ à 80-100 euros, je crois. Ça s'appelle un Game Capture HD. Moi, je l'ai eu à 40 euros. C'est un pote à moi qui me l'a vendu. Enfin, ouais, mais il a une limite à offert. Ça, c'est parce que c'est la Saint-Valentin, alors j'ai eu ça là, de ma copine. Au niveau des ordinateurs, je vous montre un peu vite fait mon matériel. Je sais pas, j'avais envie en fait. Il y en a qui m'ont posé la question, donc je me suis dit, ouais, pas de souci. Alors, j'ai un ordinateur ici qui est plutôt un. Bon, en fait, je l'avais déjà montré plein de fois cet ordinateur qui est plutôt un assez gros ordinateur, c'est-à-dire un i3, un truc normal. Hein. Je vais même pas vous montrer les caractéristiques parce que c'est catastrophique. Derrière là, il travaille sur la WhatsApp GTA. Ce qu'il faut savoir aussi, alors déjà, là, on passe sur quelque chose. Attendez, parce que j'ai pas envie de vous montrer des boulettes. Là, on va passer sur quelque chose déjà d'un peu de meilleure qualité au niveau du son. Donc, j'ai que ça au niveau des enceintes. Mais par contre, là, c'est une Bose. La Mini Soundlink, elle s'appelle comme ça. J'avais fait un stage chez eux et honnêtement, je m'en étais acheté une. Bon, j'avais une réduction aussi. Mais elle m'avait vraiment plu. Et puis, le son est vraiment splendide. Et puis, une autonomie de 10 heures. Le truc, tu peux le ramener où tu veux. C'est pas compliqué. Oh, il y a un truc dessous. Il y a. Hop, d'accord, ok, super. Puis là, il y a mon chat noir. Ah ouais, pour vous dire au niveau des animaux, en fait, j'ai 3 chats et j'ai un chien. Et en plus, le chien, c'est ma copine qui me l'a offert, donc ça m'a touché, quoi. J'ai aussi ça. Ah, ça, c'est les gens, c'est une révolution. C'est ma copine qui me l'a offert pour les 1 an. Hein. Vous avez les 1 an de couple. Donc, qui est tout simplement, en fait, une batterie portable. Pour téléphone, vous mettez par exemple le chargeur et puis après vous allez pouvoir recharger votre téléphone que vous soyez parce que c'est surtout en cours en fait. Des fois c'est relou, t'es en cours et puis bah t'as plus de batterie. Je sais pas si ça vous est arrivé ou alors t'écoutes de la musique puis tout d'un coup hop ton téléphone s'éteint. C'est vraiment vraiment casse-couille ce genre de choses. Mais voilà. Alors oh pas mal. Qu'est-ce que j'ai? Ah j'ai aussi des claviers. Alors pour vous montrer après je vais vous montrer au-dessus mais je vais pas tout vous montrer parce que j'ai des choses coquins quand même. J'ai un autre ordinateur qui est un ordinateur Slim qui était en fait à la base
qui était à la base tout simplement pour les jeux vidéo, mais après je suis passé sur console. Au passage, j'étais toujours sur console hein, pour les gens qui me disent ouais, t'étais. Donc, ça c'est l'ordinateur Steam. Alors, pourquoi j'ai deux ordinateurs? Lui, normalement, en fait, il fait un peu WhatsApp GTA, mais il fait beaucoup ma chaîne principale, Christo 69, et celui-ci, il fait beaucoup, beaucoup, et eh bien, la WhatsApp GTA. Il fait que ça, à limite. Je m'en sers rarement pour autre chose ou pour aller sur l'école directe, mais très rarement j'y vais. Et puis là où j'ai aussi les petits tapis de souris que j'ai tout offert, j'en ai plus en fait, ça c'est l'un des derniers. J'en avais gardé un pour moi, le plus moche. Hein. Personne ne voulait. Personne voulait celui-ci, donc je l'ai gardé. De toute façon, moi je m'en fous tant que je peux mettre ma souris dessus. Ça me va. Alors, j'ai aussi donc deux claviers. Je sais pas si on voit l'autre. Ouais, donc ça c'est un clavier avec filaire. Enfin, si vous voulez, il y a un fil. En dessous, il y a série H. Je sais pas si vous connaissez. Moi, c'est vraiment ma série qui me plaît le plus. Avec une enceinte Bose. Donc, ça c'est mon enceinte, la mini enceinte portable. Là, qui d'ailleurs, au passage, regardez, je sais pas si vous. Vous allez voir, si je pense qu'on va le voir en fait. Si on regarde bien l'intérieur, en fait, il y a un caisson et non, ouais, c'est ça, un caisson et deux speakers. Il y a deux enceintes, donc en gros, c'est limite un 2.1 intégré. Enfin, le truc, le son, il est vraiment splendide. J'ai aussi, par exemple, un truc super cool. Par exemple, je branche mon ordinateur sur la télévision, et bah, je peux mettre, par exemple, grâce à ce clavier sans fil qui m'a coûté bah, en plus rien du tout 10 euros. Le clavier sans fil, et bah, je peux les connecter. Entre eux et je peux par exemple ça m'arrive des fois quand je suis un peu fatigué le soir pour travailler sur WhatsApp GTA je me mets là comme ça tranquille posé et puis avec une petite boisson et puis après bah avec mon clavier sans fil et une souris sans fil bien sûr qui était intégré et puis bah j'avais voilà j'avais à peu près et je peux tranquillement faire mes trucs. Alors pour vous donner un tarif au niveau, parce que peut-être que ça va intéresser certaines personnes, par exemple ça là, le 2 points, c'est-à-dire en gros les deux petites enceintes, elles ont coûté 40 euros. Le Game Capture, normalement, il coûte 80 euros, je crois, ce qui enregistre l'écran. Mais là, il m'a coûté 40 euros grâce à un pote. La souris, c'est ça la souris. C'est pas ça la souris, c'est ça la souris. Plus le clavier, c'était 20 euros, donc en gros 10 euros chacun. La mini enceinte, par exemple, ça c'est 200 euros. Je sais, c'est pas donné, c'est le truc qui me coûte le plus cher. Avec Store ordinateur là le pourrave un peu le patron ça c'est le patron ça c'est le père ça c'est le daron hein, c'est le vieux papa qui en plus oh là là il date de 2-3 ans de l'ordinateur il marche toujours je sais pas comment j'ai fait je l'avais acheté 450 euros maintenant il doit vouloir 400 euros enfin en plus vu que c'est une ancienne série sinon ça vaut moins ça vaut peut-être 200 euros mais bon, ça c'est plus en vente, mais c'est vrai que les ordinateurs sur le marché européen ça descend pas en dessous de 400 euros les prix de portable. Celui-ci m'a coûté plus cher, il m'a coûté à 900 euros. Parce que si vous voulez, c'est un Asus, un Slim en fait, c'est les dernières générations d'Asus au niveau des portables. Donc, qui est un i7, mais en fait, c'est pas un i7 normal. Puis je crois qu'il a deux cœurs, je sais plus combien de cœurs il a. Normalement, je crois un i7 basique, c'est quatre cœurs, si je dis pas de bêtises. Lui, il en a que deux en fait, c'est pas un vrai i7. Puis la carte graphique est une Nvidia GT 635M. Donc, c'est pas la grande qualité, mais pour aller sur le net, franchement, t'as pas de problème, hein, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Au niveau de mes caméras, qu'est-ce que j'utilise? Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai plein de potes à moi, ils m'ont dit ouais, prends ça, prends ça. Mais moi, en fait, le souci, parce que si vous voulez, ma caméra, je vais la mettre ici. Quand je fais mes vidéos, ça, je mets ma caméra là, et puis je me filme, et puis souvent, vous voyez l'écran de télévision derrière. Et puis, en fait, c'est ça. J'en ai acheté plusieurs. Donc, j'en ai une là, par exemple, puis j'en ai une autre qui est ici, puis j'en ai une autre encore. Donc, j'en ai trois, voire quatre, en fait, qui sont les mêmes marques, hein, parce que c'est juste des fois, bon, en fait, elles cassent facilement. C'est-à-dire, tous les mois, limite, je dois m'en racheter une. Parce qu'elle casse. Donc ça a une petite caméra qui coûte environ une webcam qui vous coûte environ 70-80 euros. Ça dépend de là où vous allez. Et puis que tout simplement ce qui est bien en fait parce que moi je voulais m'acheter au début une grosse caméra mais souci c'est je peux pas la mettre en fait. C'est l'objectif après vu que moi je suis tout prêt si vous voulez je peux pas la mettre donc je serais vraiment écrasé. Donc en gros je la cale juste là comme ça tranquille et puis après je m'en range. Donc après peut-être que ça changera je sais pas ou peut-être mettre une sorte de grand truc fin mais souci c'est que vu les grosses caméras c'est pas une question de prix en fait, pas du tout. Parce que ça me fait chier honnêtement de débourser 80 euros par mois, ça fait limite une taxe pour la webcam, ce qui me saoule vraiment. Mais je sais pas en fait, faut que je trouve un moyen, mais bon, c'est pas très grave. Ah, il commence à pleuvoir, merde! Putain, en plus, faut que je sorte après là. En tout cas, c'est couille, hein? Enfin.
Je vais pas montrer dehors, parce qu'après, il y en a qui savent, ils vont savoir où j'habite après, ceux qui connaissent un peu Lyon. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé à peu près. Alors, est-ce que je vais vous montrer mon truc personnel? Attendez, parce que j'ai pas envie. Attendez, je vais vous montrer quelque chose de personnel. Attendez, parce que ça, je vais pas aussi vous montrer un peu toute mon adresse, parce qu'il y a des trucs officiels. Donc là, si vous voulez, c'est mon armoire où je mets toutes mes conneries un peu. Attendez, je regarde. Bon, en bas, on s'en fout. Les claviers, c'est un autre ordinateur qui est ici. Il est en réparation. On voit pas très bien par contre. Mais je vais pas le sortir, j'ai la flemme. J'ai une souris rate. Je sais pas si vous connaissez. Bon, c'est une des premières générations. C'est-à-dire, en fait, vous avez plein de boutons. Ça se fait de plus en plus maintenant dans les marchés, tout ça. Donc, bon, on s'en fout. Avec une autre souris portable. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh là là, il y en a qui vont bader. J'ai de l'artillerie lourde. Là, j'ai de l'artillerie lourde. Oh putain, on voit pas trop en plus. Bon, j'ai un peu d'argent. J'ai aussi là des trucs romantiques que j'ai. J'ai un disque dur 500 gigabits. Un 2.0, c'est-à-dire que c'est les toutes dernières sorties USB. Normalement, c'est bleu. Ah non, même pas, c'est pas bleu. C'est le câble qui est bleu. Ok. Puis au fond, j'ai des trucs un peu coquets. J'ai plein de préservatifs. Là, je fais la collection en fait. Alors, en plus de ça, attendez, regardez, je fais la collection des préservatifs. Attention, hop, par exemple, celui-ci. Ah bon, je vais pas dire que c'est avec ma copine ou autre. Donc, ça, c'est quelque chose de très intime. J'ai pas dévoilé mon truc, mais par exemple, j'avais collectionné. Mais ça date, hein, mes trucs. Mais par exemple. Mais paquet de préservatifs, j'en ai pas mal au fond. J'en ai un gros, j'en ai deux petits. Bon, des fois je les jette parce que hop, j'ai plus de place. Mais bon, en fait, ça a vite rempli, puis ça m'a cassé la tête. Puis j'ai aussi des cochonneries comme ça, je vais pas vous dire plus. Je sais, c'est pas bien, mais c'est moi qui suis un peu fou dans ma tête. C'est des pilules, si vous voulez, pour certaines choses. Voilà, c'est à peu près tout en fait de chez moi. Il y a aussi un autre truc. Ah, attendez, parce qu'il y a mon adresse. Voilà. Donc c'est un truc Google que j'avais reçu lorsque j'avais Google AdSense, qui est une grosse bêtise, mais bon, je l'ai fait quand même. Et puis j'avais reçu ça, puis ça m'avait fait super plaisir. Puis là j'ai des cochonneries. Non, alors je suis pas transsexuel. Ce soutif n'est pas à moi, d'accord. Heureusement d'ailleurs, hein. Ou même celui-ci, d'accord. Après il y en a qui vont faire, oh putain, t'es un transsexuel. Non, je suis pas un transsexuel. Ne vous inquiétez pas. Enfin, après il y a aucune honte d'être transsexuel. Moi je m'en fous un peu. C'est juste après s'il y en a qui vont faire, ah t'es transsexuel, t'es transsexuel. Alors non, je suis pas transsexuel, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai peur en fait de vous montrer une bêtise après de supprimer la vidéo. Oh, mais là j'ai la nourriture pour chien, puis là j'ai des habits. Là j'avais. Oh, mais en fait, non, mais j'ai rien. Ok, super. Bon, c'était une petite vidéo pour vous montrer à peu près mon chez moi. J'avais envie, elle a vite fait. Hop, mon petit chien, aidez-le, il dort. Eh oh, eh, coucou, coucou. Oh, il a petit 3 mois. Là, je le réveille. Il fait putain, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me casses cette tête là? Oh, bon, 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 bon. Regardez avec son oreille. Coucou, il s'appelle Angel. Je m'appelle Angel, le petit ange. Le petit ange, il dort. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Après, genre, la SPA, tu sais. Ils vont faire, ouais, tu souffres ton animal sur YouTube. Regardez-le, il est cuit et il a un petit jouet. Regardez, si j'appuie sur le jouet, il va venir. Vous êtes prêts? Allez, petit toutou, tu viens. Je rigole. Oh, oula, 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 oula. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. On lance? Ouais, c'est bien, bravo. Bon, je l'ai réveillé pour rien, maintenant il va me casser la tête. Donc c'est à peu près tout. Au niveau de mon installation, tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, j'ai pas grand-chose à vous dire. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Oh, j'ai un autre chat aussi, regardez. J'ai un chat là-haut qui s'appelle Frigiel. C'est mon frère qui l'a appelé parce qu'il connaît le youtubeur. Enfin bref, c'est un peu casse-couille ça. Et puis j'ai aussi un autre chat qui est oh là, Haribo comme le bonbon parce que c'est un chat spécial. Oh, il a levé la tête. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Oh non, oh c'est mignon. Ouah. Je fais plus chier qu'autre chose. Et puis ne vous inquiétez pas, ils s'entendent bien avec le chien. C'est juste des fois, c'est sûr, ils se crachent un peu dessus. Les chats qui vont se cracher dessus, puis lui qui va aboyer. Forcément obligé. Donc voilà, donc merci encore pour tous les gens. J'avais envie de vous montrer un peu mon installation. Elle n'a pas vraiment changé. J'ai juste eu le 2.1 là qui a été rajouté avec l'enceinte. Puis quelques accessoires qui ont été rajoutés. Sinon, au niveau des ordinateurs, j'ai rien. Et puis il y en a qui vont me dire, ouais, pourquoi tu prends pas un fixe? Bah, les mecs, oh, regardez ma chambre. Bon, il y en a peut-être des plus petites, mais par exemple, regardez, oh, vous voulez que je mette tout mon fixe là dans le truc des livres? C'est vrai, je pourrais peut-être faire un bureau là, je sais pas.
Il y a un os pour chien là. C'est vrai, je suis d'accord. Oh putain, oh là là. Il fait laisse-moi, je suis fatigué là. Regardez, regardez. Non, 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 on va retourner ses oreilles. Ça fait quoi si t'as les oreilles retournées? Oh, il est tout triste. Oh. Il peut se cacher avec ses oreilles? Je me cache, je suis pas bien là. Oh, tu maltraites, s'il vous plaît, l'SPA, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Oh là là, oh il est trop mignon. Par contre, ça bouffe beaucoup ça, hein, les gens. Hein, je vais pas vous mentir, 200-300 grammes par jour, ça dépend. Ça bouffe bien, hein, 3 mois en plus, bientôt 20 kilos. Là, c'est de la masse, hein. C'est de la masse. Voilà, merci encore à tous les gens. Je vais vous laisser. Voilà, je vais hop. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. Ouais, c'est à peu près tout. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end, tout ça. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vlog. Faudrait que j'en refasse un peu plus des vlogs. Mais ça, j'ai pas trop le temps. Puis je suis un peu à mon île.